salut tout le monde. On se retrouve donc pour la suite de Sibérien. On devait, suite à l'épisode 2 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, on devait donc se faire un laissez-passer. Donc on va continuer. Faire un petit peu le tour ici. Quelle étrange sculpture. On dirait une sorte de pieuvre de calamar. Toc toc. Toc toc. Il y a un paquet qui parlait, hein. Jean aime plus Yukrol. Je voudrais bien aller parler. À d'autres que les Yukol. Hein. Je peux aller par là. Vous donnez mon laissez passer. Et puis quoi encore? Madame. Allez, c'est passé. Pour ça, il faut voir avec la mairie, ma petite dame. Excusez-moi. Bonjour, mademoiselle. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Cela s'entend. Que diable fait une jeune américaine dans notre belle région? Des affaires? Ou du tourisme, peut-être? Oh, c'est une longue histoire, croyez-moi. Je vois. En tout cas, il faut absolument que vous visitiez notre ville. Vous savez, Luxembourg a beaucoup de charme cette saison. Et profitez-en pour vous arrêter à ma taverne. C'est la meilleure table de la ville. Eh bien, ce sera avec plaisir, mais hélas, j'ai appris qu'il fallait désormais un laisser-passer pour se rendre à Luxembourg. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à m'en procurer. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien embêtant, ça. Enfin, vous avez de la chance, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. C'est le laisser-passer de ma femme. Elle est souffrante et n'a pas pu m'accompagner. Ce document est parfaitement malade, si ce n'est qu'elle a oublié de le faire tamponner à la mairie. Et... c'est gênant. Hélas, oui. Sans tampon, ce document ne vaut rien. Avant, il suffisait d'utiliser la tamponneuse qui se trouve dans la galerie des policiers municipaux, là-bas, à l'entrée du camp. Mais elle a été mise hors service depuis que la mairie a sévèrement durci les lois contre l'école. Donc ce laissez-passer ne sert à rien. Pas forcément. Il suffirait juste d'y ajouter un tampon qui ressemble au sceau de Luxembourg. Les policiers municipaux ne sont pas des aigles, faut bien l'avouer. Enfin, je vous ai rien dit, moi. Bon courage, mademoiselle. Et n'oubliez pas de passer à ma taverne quand vous serez à Luxembourg. Alors, apposez le tampon de Luxembourg sur le laissez-passer. On va aller voir là où on était, là, si j'arrive à retrouver où c'est. Thank you.
On va sortir. S'il vous plaît. Est-ce qu'on sort du bon côté là ? Stop ! On ne passe pas ! Et pourquoi donc, je vous prie ? Mademoiselle, la divagation intempestive des nomades du Yukol dans la ville s'étant avérée être un élément perturbateur de la quiétude de ses concitoyens. Le maire Bouliakine a ordonné que l'accès à Valsambor ne serait désormais autorisé que sur présentation d'un laissez-passer dûment tamponné. Regardez-moi. Est-ce que selon vous, je ressemble vraiment à une Yukol ? Ma petite demoiselle, votre physionomie ne suffit pas. Seule la présentation de votre laissez-passer municipal le prouvera. Mais... Sans laissez-passer, on ne passe pas. On va quand même tenter. Alors, se laisser passer. Deux secondes, mais il m'agace. Se laisser passer n'est pas conforme. Il n'est pas tamponné avec le cachet de la ville de Valsambor. Eh bien, on va se tamponner. Se laisser passer est vraiment nécessaire. Indispensable. Alors, n'insistez pas. Circulez. Bon, déjà, on a obtenu un laissez-passer qu'on n'avait pas dans l'épisode précédent. Donc, on va rentrer là. Rien d'utile ici. Rien d'utile ici. Des tampons, mais aucun avec la bonne forme, évidemment. Une tamponneuse. Incomplète, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une éponge. Une forme est incrustée dans le cuir. Je crois que dans l'épisode précédent, on a vu sur la plage qu'il y avait un truc à voir par terre. Grande triche ont besoin d'attention. Beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est par là qu'on avait vu... Là-bas, hop, on avait vu, je crois, dans l'épisode précédent, qu'il y avait des trucs par terre. Ici. Mmh.
Voilà, on a mis l'encre. Hein. Je pense qu'il faut qu'on re-rentre dans le tiki parce que c'est pas qu'avec ça on n'a pas le. On a l'encre mais on n'a pas l'objet pour. Hop, voilà. On n'a pas l'objet pour pouvoir appuyer dessus pour faire le tampon. Les artisans Yukol doivent produire ces statuettes en masse. Jean aime plus Yukol. On t'a parlé tout à l'heure, toi, donc. Ses souvenirs? Eh bien, cette sculpture-là. Ha ha ha, Kilak! C'est grand esprit, très mauvais, Miss Catwalk. Monstre de l'eau du Grand Lac. Oh, je vois. C'est la représentation d'une légende locale. Ha ha! Pas légende, Miss Catwalk. Kilak, très grand, très méchant, vit au fond du lac. Si ce monstre existait vraiment, il aurait attaqué vos autruches quand vous entrepreniez de traverser le lac pour poursuivre votre voyage, non? Yukol toujours traversait le jour. Kilak pas aimé lumière. Et toujours quand le lac gelé, Kilak pas pouvoir traverser grâce pour manger autruche. Mais maintenant, lac pas encore gelé et autruche impatiente. Pas bon, pas bon. L'absence prolongée de Kirk vous inquiète beaucoup, n'est-ce pas? Kirk, guide sacré. Pas guide, alors pas grand voyage. Ah, Kirk revenir vite. Sinon, pas bon, pas bon. L'un de vos collègues a réparé une clé pour m'aider à m'enfuir de la clinique. Est-ce que c'était vous? Non. Forgeron, là-bas. Eh bien, comment vont les affaires? Toc toc. Fini client touriste ici. Plus aimé Yukol à Varsambor. Pas bon business. Pourquoi on ne vous aime pas ici? Yukol bloqué trop longtemps à Varsambor. Pas bon. Devoir partir vite. Au revoir et merci pour tous ces renseignements. Au cahier, Miss Catwalk. Babayeux. Au cahier, babayeux. Ok, alors par rapport à lui, il est où le forgeron là? C'est un forgeron ça? Je veux parler à lui, stop! Stop! Voilà, va parler à lui. C'est lui qui nous avait fait la clé pour s'évader, donc. Bonjour. Konokmak, Miss Catwalk.
besoin de forger quelque chose? Eh bien oui, en effet. J'aurais besoin d'un tampon qui ait la forme du sceau de la ville de Valsambor et que je puisse utiliser avec la presse à l'entrée du camp. Compliqué. Besoin de modèle. Toc toc. Toi, voir ça, risque trop. Est-ce que j'ai ça dans l'inventaire hein? Mais est-ce que toi, tu as porté comme l'autre pour forgeron? Oh là là, compliqué. Forgeron, besoin aussi cire pour moulage. On avait récupéré des bougies la fois d'avant, il me semble. Non? Mais est-ce que toi, tu peux porter comme l'autre pour forgeron? Ok. Vous savez où je pourrais trouver de la cire? Mais est-ce que toi, cherchez partout. Alors, trouvez pour finir. Il me semblait qu'on était monté dans les petits. Leur petite baraque là et qu'on avait trouvé de la des bougies. Alors, il me semblait vraiment qu'on avait eu ces bougies, hein, mais bon, à part maintenant. Un joyeux Capharnaüm. Rien à voir avec les marchés de New York. Par là. Il me semblait vraiment qu'on avait trouvé les bougies là. Ah non. Il me semblait. L'erreur est humaine. Donc on revient voir le forgeron. Est-ce qu'il voulait ça? Oh mamie, tu me bloques là. Oh, les pioupiou, là. Les touk-touk. Forgeron, besoin aussi cire pour le moulage. Je te donne les bougies. On les a, hein. Mais est-ce que toi, tu peux porter comme l'autre pour forgeron? Ouais. Bonne comme l'autre, tant qu'on prête pas pour longtemps. Un petit moment que je n'étais pas revenu sur Sibéria, pour reprendre le mécanisme. Ok, on a le tampon. Donc on a tout, normalement. On a l'éponge remplie d'encre, le tampon, ben on ressort. Viens là. Je me perds tout le temps, hein. Quand on n'est pas revenu sur un... depuis un moment, normalement on a tout, on a l'encre, le tampon, tout... non, je ne veux pas te parler, j'allais là.
Alors... Donc on va remettre ici... l'éponge. Ça ne va pas. Non, c'est pas là que je voulais la mettre, c'est là. Pardon. Ici, on remet... ça. Et là, on met le tampon, alors. Et ici... il faut que je trouve le moyen de fixer le tampon avant qu'il ne retombe. Ah, il s'est recassé la figure. Le petit logis, sûrement, là. Voilà, ça doit être ça. On va mettre notre... là. J'ai oublié d'ancrer le tampon. J'ai oublié d'ancrer le tampon. Ah d'accord. Hop. Encore ça. Bon, jusque là. Ah, mais il faut que je récupère mon truc. Rien d'utile ici. J'ai pas récupéré mon. Je n'avais pas récupéré le laissez-passer. Vilaine Chiral. Bonjour, Miss Wagner. Très heureux de vous retrouver enfin. Ah, il manquait plus que lui. Monsieur Quentin, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous ramenez à la maison, de gré ou de force. Allons. Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît. Je ne vous suivrai pas. Vous m'entendez? Laissez-moi tranquille. Vous êtes seul ici, sans amis ni connaissances. Et vous n'avez nulle part où aller, Miss Walker. Alors soyez raisonnable. Tournez-vous et tendez vos mains. Ne m'obligez pas à utiliser la force pour vous contraindre. Monsieur Marson? Enfin, je la tiens! Oui, elle est saine et sauve! Miss Walker est sous mon contrôle. Je vous tiens au courant pour la suite. C'est l'affaire d'un jour ou deux, tout au plus. Il y a, j'imagine, quelques obstacles procéduriers à franchir avant de pouvoir quitter le pays. Écoutez, toutes ces accusations dont on me charge sont sans fondement. Le meurtre de Hans, les détournements de fonds, c'est du délire. Et pendant que nous perdons du temps ici, je ne peux pas aider les Yukol. Or, croyez-moi, ils en ont vraiment besoin. Je ne suis pas votre ennemi, Miss Walker. Et si vous n'avez rien à vous reprocher, comme vous semblez le prétendre, votre intérêt est de rentrer au pays et de faire valoir vos arguments devant le tribunal. Vous n'avez plus rien à faire ici, ou, je le crains, vous ne comptez pas que des amis. On va appeler à l'aide.
Ça n'a rien de personnel, croyez-le bien, monsieur Quentin, mais je ne repartirai pas avec vous. C'est absolument hors de question. J'ai l'impression les que. Les Yukol devraient nous aider. C'est ce qu'on va voir. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Voilà, les Yukol nous aident. Et oui, c'est nos potes. Bon sang, Miss Walker! Allez-vous vous taire à la fin! Ne m'obligez pas à vous bâillonner. Bon courage, monsieur le détective. Bon sang, c'est pas vrai! Oui, oui, moi aussi j'ai bien entendu crier. Non, non, ça ne venait pas d'ici. Plutôt de l'autre côté, là-bas. Suivez-moi. Vite, je dois me libérer et filer d'ici pendant que Quentin est occupé. Vite, vite, pas vite, vite, hein, madame. La bouteille. Bon sang, il faut que je trouve autre chose. Il n'y a pas grand chose en même temps à côté. Elle aurait pu avec le pied casser la bouteille. Enfin libre. Bon, fuyons avant que Quentin ne revienne. Allez, hop. J'ai appelé à l'aide il y a un instant. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Vous êtes pourtant bien fonctionnaire de police. J'ai des consignes. Ne pas intervenir dans les affaires de ce détective américain. L'ordre vient de haut, vous savez. Et puis moi, mon boulot, c'est de vérifier que seules les personnes en possession d'un laissez-passer conforme puissent se rendre en ville. Le reste n'est pas dans mes attributions, mademoiselle. Je vois. Votre esprit d'initiative vous honore. Toujours est-il que j'aimerais rejoindre Valsambor maintenant. Sans laissez-passer, on ne passe pas. Alors, notre laissez-passer, hop. Alléluia. Miss Walker, non, attendez. J'ai un mandat d'arrêt à l'encontre de cette femme. Arrêtez-la. Merci les Yukol. Il a piqué sans laisser passer. Rendez-le-moi immédiatement, vous m'entendez? Succès, déverrouiller le château. Trouver l'artisan Simon Steiner. On va donc en rester là de Siberia 3, l'épisode 3, le laisser passer. J'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce en l'air, un abonnement à la chaîne, un petit commentaire, je vous réponds toujours. En tout cas, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour la suite de Siberia 3 ou des autres Let's Plays. Donc, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch en live. Bye bye.